qui veut faire passer à Nabil Fekir qui fait passer à Coman, Coman qui fait passer à Nabil Fekir qui tire de loin, oh c'est le poteau. Et bonjour les caméléons, j'espère que vous allez bien. Et oui, nous revenons pour une nouvelle vidéo. Et oui, demain, l'équipe de France va faire son deuxième match de cette campagne de qualification pour l'Euro 2020. Et oui, je rappelle que l'équipe de France, vendredi soir, a gagné 4-1 contre la Moldavie. Bon, en même temps, c'était pas très compliqué. Mais aujourd'hui, l'Islande, c'est pas une grosse équipe. Mais je rappelle qu'en match amical, ils ont fait 2-2. En fin de 2018, je crois que c'était en octobre si je me trompe pas, ou en novembre, je sais plus, un truc comme ça. Donc il faut se méfier de cette équipe d'Islande, même si je pense que l'équipe de France va gagner, mais on sait jamais. Eh oui, on y sait jamais. Donc là on voit un peu la compo des Français. Voilà, avec Olivier Giroud, et oui, le buteur, le troisième buteur de cette équipe de France, qui a rejoint Trezeguet. Et oui, est-ce qu'il va marquer ce match-là pour le dépasser? Ben, rendez-vous demain soir pour tout ça. Allez, avec Grisou, Grisou qui fait passe à Kanté, Kanté qui fait passe à Giroud, Giroud qui fait passe à Matuidi, Matuidi, allez, qui repart avec Lucas Digne. Ah, ils ont mis les jeans, mais Medine il est blessé, mon gars. Putain, FIFA, mais ils sont n'importe quoi. J'ai même pas regardé avant. Allez, attention avec Mbappé qui fait passer à Giroud. Giroud qui est dans la surface. Et qu'est-ce qu'il fait? Oh, il est dans la surface. Qui fait la petite passe sur Mbappé. Mbappé qui tire à côté, mais c'est pas possible. Oh là là, Mbappé qui a failli marquer un nouveau but et qui tire à côté au bout de 5 minutes de jeu. Oh, ça passe vraiment pas loin. Oh là là, Mbappé, il est bon. Il est bon, Mbappé. Allez, attention avec Giroud qui va essayer de éviter la passe courte. Allez, attention. Allez, on gagne. Voilà, on gagne ce duel. Allez, Grisou. Grisou qui fait passer encore Mbappé. Attention, Mbappé. Mbappé le plus rapide. Ah, avec cette vitesse de mobilette qui fait le centre sur Giroud. Et Giroud qui ne récupère pas. Et ça va être sur Kanté. Kanté qui tire de loin. Et ça passe à côté. Oh, l'équipe de France qui est fort dans cet début de match. Et c'est magnifique. Non, et ça, c'est magnifique. Allez, attention, on le voit vraiment. Ça tire vraiment, tire à côté. Allez, Giroud, essaye d'éviter le passe courte. Allez, c'est bon, le gardien qui a dégagé. Alors, je vous dis pas les noms de l'Islande parce qu'il y a des noms, c'est compliqué. Voilà, belle interception de la défense islandaise. Et les attentions, ils partent. Oh là 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 là, les Islandais qui vont partir et qui vont peut-être tenter un tir. Attention, c'est le petit tir de Fillette. Alors là, on dirait que c'est moi qui tire, hein, et malheureusement, ben c'est bien puisque Lloris il peut récupérer une fois le ballon. Alors je rappelle que Jay Lloris a pas touché beaucoup de ballons contre la Moldavie, un peu c'est un peu normal avec Lucas Digne, avec Matuidi, Matuidi qui fait Grisou, Grisou avec Lucas Digne, attention, ça va être le centre, ça va être ce façon sur Giroud, et Giroud qui, oh là là, qui a failli marquer, oh Giroud il a failli marquer, et je rappelle qu'il y a à peu près 15 minutes dans cette rencontre, il y a toujours 0-0, regardez. Oh là là, il fallait plus cadrer. Oui, Giroud, tu peux tenir la tête. Hein. Oh là 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 là. Allez, corner pour l'équipe de France. Attention. C'est le petit centre avec sur Varane. Et sur Varane, et malheureusement, le gardien qui peut intercepter tranquillement cette balle. Et allez, le dégagement. Allez, c'est pour nous. C'est pour nous, c'est cadeau. Pour l'instant, l'Islandais, un petit tir, mais bon, un petit tir. Allez, attention, oh là là, avec Mbappé qui fait le petit sang, oh là là, qui est intercepté. J'aurais pu faire. Allez, c'est encore récupéré, ça c'est bien pour les bleus. Attention, qui fait pas. Ah non, c'était pas le bon. Ah, pas de bas, pas de bas, attention. Oh, pas de bas, dommage. Ah, c'est dommage, il est pas parti en courant. Allez, attention, il reste. Il reste. Ça fait que 20 minutes de jeu, mais on dirait que ça fait 46 minutes. Quoi. Allez, attention avec Kanté. Kanté qui fait passe à Pogba. Pogba qui tire de loin. Et c'est encore intercepté. Oh là 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 là. La défense qui tient. La défense qui tient. Allez, on va essayer de marquer. On va essayer de marquer avec Pogba. Pogba qui fait passe à Grisou. Grisou. Ouh. Allez, encore une petite touche pour l'équipe de France. Et attention, cette équipe de France qui va hop avec Oula. Pas faute, monsieur l'arbitre. Bon, c'est pas grave. C'est encore récupéré pour l'équipe de France avec Mbappé. Mbappé qui fait passe à Pavard.
avec Mbappé, Giroud, Grisou, avec Mbappé qui fait passe à Pogba, et dans la surface, attention, il est dans la surface, et qui tire, et qui goal, 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 Pogba, j'allais dire Olivier Giroud. Oh, Pogba, magnifique. Le gardien qui met la même et pas assez ferme pour que Pogba marque son, je sais pas combien de buts en équipe de France. Oh là, ça passe en dessous. Oh là, c'est magnifique. Et déjà 1-0 pour l'équipe de France. Est-ce que demain soir ce sera la même chose? Eh bien, on verra bien à la fin. On verra bien ça demain soir. Allez, pour l'instant, l'équipe de France qui domine cette équipe islandaise qui n'arrive pas à avoir ce ballon. Et c'est encore Pogba qui est là, mais malheureusement, pas assez combattif. Allez, attention, voilà, ça s'est bien récupéré. Ah, malheureusement, mais je vais pas de balle. Il a bien intercepté. Oh là, Mbappé qui fait passe à Pogba. Pogba qui fait passe à Kanté. Kanté qui fait passe à Digne. Digne qui fait passe à Kanté. Kanté qui fait passe à Grisou. Et l'arbitre, t'es avec les Islandais ou quoi? Allez, bouge là, toi, s'il te plaît. Allez, Pogba, attention, Pogba qui fait partir. Pogba. Oh, oui, c'est bien. Grisou qui a le ballon. Avec Mbappé qui est sur le côté, hop, qui va en faire passe, hop, oh là, attention avec Pavard. Oh, attention, il peut tirer de loin lui. Eh oui, heureusement c'est dégagé par la défense islandaise, parce que sinon l'équipe de France, ça va faire mal, attention avec Pavard. Pavard qui fait partir Mbappé. Mbappé, hop, qui va dans la surface, qui va dans la surface. Oh là là, attention, Mbappé qui tire. Et le goal, 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 et 2-0. Voilà, est-ce que ça va être la même chose demain soir? Voilà, regardez, Mbappé, Mbappou, il est à la surface, qui dribble toute la défense islandaise et qui tire, et le gardien qui essaie de plonger mais qui n'arrive pas à arrêter cette balle. On va encore le revoir sur la troisième caméra. Et regardez, ah, il la touche, le gardien, la touche. Hein. J'ai eu de la chance, hein. J'ai eu vraiment de la chance. Allez, avec Pavard, les deux jeunes. Allez, les Islandais qui vont essayer de au moins marquer, au moins pour espérer une égalisation. Est-ce que demain ça va être la même chose? On verra bien. Allez, attention avec Grisou qui fait passe à Pogba qui fait passe à Varane qui fait passe à Grisou, attention Grisou qui fait passe à Mbappé, il n'a pas voulu partir trop. Avec Grisou qui fait passe à Giroud. Ah, dommage. Ouais, Giroud, Giroud il a toujours pas marqué, Giroud, le petit Giroud, ben, même Grisou d'ailleurs. En sachant que vendredi ils ont marqué tous les trois. Eh ouais, les trois ils ont marqué. Attention, ça ne rigole plus. En même temps, c'était la Moldavie. Allez, attention avec Olivier Giroud. Olivier Giroud n'arrivera pas à avoir cette balle parce que c'est intercepté par une belle défense islandaise. Bon, même si Mbappé les voilà. Hein. Je dirais pas le mot. Surtout si c'est des enfants qui regardent cette vidéo. Attention avec Olivier Giroud qui fait partir Matuidi. Matuidi, il est parti. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. Allez, reste quelques minutes dans cette première période. L'équipe de France qui mène 2-0. Allez, on va essayer de mettre le troisième avant la mi-temps. Ce serait magnifique avec Paul Pogba qui va tirer de loin. Et qui tire. Oh là 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 là. Quel arrêt du gardien. Magnifique arrêt du gardien. Allez, avec Grisou. Oh là, la balle n'est pas sortie. Mais non. Oh oui. Oh, dommage. Oh là là, 4. Oh là là, 4 contre. Oh, c'est bien intercepté ça. Ça, c'est magnifique avec Pogba qui va faire partir Mbappé. Allez, en espérant que l'arbitre ne va pas siffler avec. Grisou, attention, Grisou est dans la surface, Grisou est dans la surface, qui fait passer à Giroud, Giroud, et le goal, 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 et 1, et 2, et 3-0, et 1, et 2, et 3-0, oh ça c'est magnifique, attention, ça ne rigole plus, aïe, 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 aïe. Voilà, on le voit, Giroud qui a marqué et qui du coup dépasse David Trezeguet dans les buteurs. Bon, sur ma chaîne, est-ce que demain soir il va marquer ce Giroud? Est-ce qu'il va marquer? Ça, c'est une très belle question. Une très 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 belle question. On verra bien. Allez, attention, et c'est la mi-temps, bien sûr, on a marqué juste avant. Allez, c'est parti pour une deuxième période. L'équipe de France qui mène déjà 3-0. Et ça rigole plus. Attention, même Giroud intercepte. Attention, qui refait passe ça. Une titi.
Titi qui fait pas ça, Kanté, Kanté qui fait pas ça, pas de bon, pas de bon qui en fait pas ça, Varane, Varane qui fait pas ça, Kanté, Kanté qui fait pas ça, Grisou, hein, Grisou qui veut faire pas ça, Giroud, attention, Giroud, oh Giroud qui fait pas ça, Kanté, oh trop court, oh c'est trop court, c'est dommage, oh le gardien islandais là. Il a fait une belle interception. Elle était pas mal. Allez, attention avec Grisou qui fait passe à Mbappé, mais ça ne passera pas sur la défense. Attention, ça presse, ça presse. Oh, le gardien qui est obligé de dégager. Pogba qui va peut-être récupérer cette balle. Et oui, Griezmann, Pogba, Pogba, Griezmann. Attention, Matuidi, Matuidi. Grisou, attention, qui refait passe à Giroud. Oh, Giroud qui a pas pu récupérer cette balle. Attention, il a failli marquer le petit doublé de ce match. Et attention, voilà, c'est bien ça, Mtiti. Avec Varane, Varane avec Pavard, Pavard avec Grisou, Grisou avec Kanté, Kanté avec Matuidi, attention avec Pavard qui est parti. Allez, attention, ah non, c'est Lucadine, c'est vrai, Pavard est de l'autre côté, moi je me trompe, attention, et oui, avec Giroud, Giroud qui refait pas ça, attention avec Grisou, Grisou qui n'a pas marqué encore dans ce match, et malheureusement il ne marquera toujours pas. Allez, attention avec Varane, Varane, Kanté, Kanté qui fait pas ça, Pogba, Pogba qui fait pas ça, Giroud, Giroud qui va essayer de faire passe à Griezmann. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Il y a eu une confusion entre les joueurs. Attention avec Kanté, Kanté qui fait passe à Pogba, Pogba, attention qui fait passe à Grisou, Grisou qui va faire partir Matuidi. Matuidi, c'est bon, qui peut récupérer. Qui refait passe à Pogba, Pogba qui refait passe à Grisou, Grisou. Oh Grisou, attention, Grisou. Hop, puis qui fait la petite feinte et qui va tirer de loin. Oh là 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 là, qui passe à côté. Oh Grisou qui a voulu marquer son petit but. Et ça passe juste à côté. Oh là là, ça c'est magnifique. Ouh, ça frôle la barre. Attention, ça va peut-être marquer. C'est comme moi vendredi. Vendredi à l'entraînement, premier tir, bon, pas cadré. Deuxième tir, pas cadré. Troisième tir, poteau. Et quatrième tir, dans le but. Eh oui, c'est comme ça. Allez, Grisou, tu vas le marquer, c'est ton but. Faut y croire, c'est le mental qui va jouer. Allez, attention. Oh, attention, les Islandais qui vont peut-être tenter le premier tir de cette rencontre. Non, deuxième tir, pardon, attention, avec Giroud. Giroud qui va faire partir Mbappé. Mbappé qui a marqué le deuxième but de cette rencontre avec Giroud. Giroud qui refait passe, attention, avec Pogba, Pogba. Qui tire? Oh, qui tire à côté encore, hein, c'est à côté. Ah non, c'est Matuidi, pardon. Oh là là, Matuidi qui n'arrive pas toujours à marquer. Oh, Griezmann qui s'était effacé. J'aurais dû faire passer la petite passe à Griezmann, mais bon. On gagne 3-0. C'est à la cool, les gars. Déjà, on a gagné 4-1 vendredi. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu marquer plus de buts parce qu'il y a vraiment des buts. Les buts tout faits, que c'est pas cadré. Après, si le gardien il arrête. Mais bon, là, faut cadrer, hein. Voilà, comme je me rappelle, une frappe en première mi-temps. Voilà, c'est comme ça. Parce que j'ai vu le résumé du match. Hein, et Mathieu dit, maman, elle aurait pu marquer un beau but. Mais malheureusement, elle n'a pas cadré. Et ouais, alors après, est-ce que le gardien l'aurait arrêté? Eh ben, ça, c'est une très belle question. Allez, ça, c'est une belle défense de Titi. Avec, attention, avec Matuidi, Matuidi. Oh non, Giroud, qu'est-ce que t'as fait? Oh, c'est bon, il a intercepté. Attention, Giroud ne rigole plus. Giroud va faire le face-à-face au gardien. Attention, ça rigole plus. Est-ce qu'il va marquer? Et le goal, 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 goal. Le doublé de Giroud. Oh, mais. Oh, j'ai lu passer. Oh, mais je suis un abruti. Je suis un abruti. Bon, allez, c'est pas grave. Allez, on s'en fout. Allez, attention. Oh, c'est encore intercepté. Je rappelle que l'Islande a fait qu'une frappe pour l'instant et n'a cadré qu'une fois. Un tir encadré comme la Moldavie et eux, ils ont marqué le but. Est-ce que les Islandais vont faire pareil? Eh ben, on verra ça demain soir, quoi, hein. Allez, attention, ça s'approche pour les Islandais. C'est trop fort ça, mais c'est quand même récupéré. Oh, man, oh. Oh là, on joue avec le feu, les gars, on joue avec le feu. C'est bon, tranquille, pas de stress. Il y a point S. Allez, attention avec Giroud. Giroud qui fait passer à Grisou. Grisou qui va faire partir Matuidi. Matuidi qui, c'est bon, qui peut récupérer cette balle. Oh là, attention, il y a Griezmann, Griezmann. Griezmann, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh là, vous pouvez m'insulter sur les commentaires. Alors là, attention, ça ne vole plus. Oh, j'ai oublié de faire le changement. Et voilà, j'ai fait mes petits changements. Allez Giroud, tu peux aller te reposer. T'as mis un petit doublé, c'est logique. Tu peux aller sur le banc. Et oui, l'entrée de Nabil Fekir, vous allez voir en haut à gauche les petits changements qu'il y a eu.
Allez, attention avec Mbappé qui fait passer. Attention à Nabil Fekir. Le ballon de Nabil Fekir qui refait passer Mbappé. Oh, Mbappé qui a voulu tirer, mais qui a eu le pied de la défense islandaise. Oh, attention, ça ne rigole plus, l'Islandais qui part en contre-attaque. Ouh là, je me suis fait avoir, mais là, plus une fois, mais pas deux fois quand même. Allez, avec Matuidi qui fait passer à Kanté. Qui veut faire passer à Nabil Fekir qui fait passer à Coman qui fait passer à Nabil Fekir qui tire de loin. Oh, c'est le poteau, mais c'est pas bon. Oh, lolo, dommage pour Nabil Fekir qui a failli marquer ce cinquième but, en plus sur une belle petite frappe. Allez, avec Coman, les rentrants qui jouent très bien le ballon avec Sissoko qui peut faire passer à Coman. Dommage. Oh, Coman qui a failli aussi marquer le cinquième but de cette rencontre. Et du coup, les Islandais qui partent en contre-attaque. Attention, ça ne rigole plus. Les Islandais qui veulent marquer au moins un but, mais comme la Moldavie, mais ils n'arriveront pas. Allez, attention, ça va être la fin de ce match avec Lukadin qui est fatigué. Allez, attention avec Coman, lui qui vient de rentrer. Attention, hop, et qui va faire partir Mbappé. Attention, Mbappé, il va peut-être mettre le doublé. Et Le doublé de Mbappé, on va le voir au ralenti. Attention, ça ne rigole plus entre le défense et le gardien. On va peut-être le voir ici. Est-ce que c'est passé? Ouais, c'est passé entre les deux. Oh là là, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il est bon, ce Mbappé. On peut dire tout ce qu'on veut. Il est magnifique, ce joueur. Allez, en espérant qu'il prenne pas trop la grosse tête. Et oui, il a que 20 ans, je le rappelle. Allez, en espérant que demain soir l'équipe de France vont nous faire rêver aussi. Mais ça, c'est, on verra bien. Allez, c'est fini, la victoire de l'équipe de France, 5-0. J'espère que vraiment demain ils vont nous faire rêver, qu'ils vont, quand ils gagnent demain 5-0, mais je rigole. En espérant, on verra bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je rappelle que j'ai une page Facebook, le FC Maïkou, où je mets des sondages. Donc venez faire un petit tour. Et la suite dans le prochain numéro.